On peut être riche et malheureux. On peut être riche et malheureux. Ce n'est pas paradoxal. C'est vrai que nous vivons à une époque où les gens ont tendance à tout ramener à l'argent. Et ça peut sonner un petit peu bizarre pour certains d'entendre ces deux mots dans la même phrase. Pourtant, ce sont des choses qui existent. Il y a beaucoup de personnes riches qui ne sont pas heureuses. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous l'histoire d'une dame qui est riche de plusieurs manières. Elle n'est pas riche seulement au sens matériel du terme. Elle est riche de plusieurs manières, mais elle n'arrive pas à trouver l'épanouissement dans sa vie. Et c'est peut-être quelque chose qui vous arrive. Il faut que vous suiviez cette histoire avec attention pour comprendre quel est le fond du problème. Parfois, on vit les mêmes réalités que d'autres personnes et on n'en est pas conscient. Il faut entendre les histoires de certaines personnes pour s'en rendre compte. Alors, vous pourriez être malheureux comme cette dame pour les mêmes raisons sans être riche. C'est pour ça qu'il faut que vous suiviez attentivement, que vous compreniez comment est-ce que vous pouvez régler ce problème-là pour ne pas que ça prenne de l'ampleur et que ça ternisse après le paysage mental de votre existence. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saisy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de business et de mindset. Vous savez que c'est souvent le cas sur cette chaîne. On évoque tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Welcome on board. Abonne-toi, active la cloche de notification et tous les jours, tu pourras suivre une vidéo propulsive. Alors, je veux parler aujourd'hui de l'histoire d'une dame que j'ai connue il y a 2 ou 3 ans. Et depuis que je la connais, je me suis rendu compte en fait que c'est le même cycle. Elle est dans une boucle en fait. Elle répète les mêmes erreurs, je dirais. C'est la même situation qui se perpétue. Elle n'arrive pas à en sortir. Alors j'ai fini par crever l'abcès pour lui en parler parce qu'à la base, les rapports que nous avons sont des rapports professionnels, mais sur un autre plan, finalement, on s'est familiarisé un petit peu avec l'autre. Mais je n'avais pas abordé cet aspect-là avec elle parce que ce n'était pas le but de l'échange, de la relation qu'on a, du fond de nos échanges. Mais en tant que personne qui accorde beaucoup d'importance à tout ce qui concerne le développement personnel, je ne pouvais pas, à un moment ou à un autre, ne pas lui en parler. C'était de mon devoir et ça lui a fait beaucoup de bien. J'espère qu'en partageant cette histoire, ça va également permettre à certains de sortir de cet engrenage-là et de passer à l'action. Petite parenthèse pour vous dire que nous lançons très bientôt un bootcamp qui va s'appeler, parce qu'il va être lancé, mais il est déjà conçu complètement, le Business Rocket Camp. Rocket comme la fusée. Le but justement, c'est de vous aider à faire décoller votre business en Afrique, que ce soit un business naissant ou un business à venir, donc un business que vous avez commencé à piloter depuis pas longtemps ou que vous allez lancer dans pas longtemps. On peut également vous accompagner à travers ce bootcamp à mettre en place les choses et ça va être un programme multidimensionnel qui va durer 4 semaines pendant lesquelles nous allons aborder des sujets variés. On va parler de marketing, on va parler de ressources humaines, on va parler de finances, on va parler de productivité également. Et on va vous aider justement à travers des masterclass, à travers des webinaires. Tout ça, c'est dans le programme de 4 semaines à pouvoir véritablement mettre tous les outils en place pour que votre entreprise puisse décoller. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour vous pré-enregistrer sans aucun engagement, c'est juste pour être parmi les premiers à avoir l'information quand on ouvrira les inscriptions bientôt, parce que vous pouvez bénéficier de certaines, réductions, et pas que, certains avantages pour être plus large si vous êtes parmi les premiers à vous inscrire. Donc voilà, parenthèse fermée. Parlons donc de cette dame qui, en fait, est cadre dans une banque. Elle est cadre dans une grande banque et quand j'y sais, au cadre, quoi. C'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Donc, sur le plan matériel, elle n'est pas à plaindre, qu'est-ce que je dis ? Elle n'est pas à plaindre, pardon, elle est à envier sur le plan matériel, d'où le fait que je dise qu'elle est riche. Mais en fait, je ne voulais pas parler de la richesse matérielle. Pour moi, ça c'est side par rapport au sujet d'aujourd'hui. Elle est surtout riche d'idées. C'est quelqu'un qui a le potentiel de réaliser énormément de choses et qui peut également matériellement s'enrichir davantage. Si elle était à son compte, par exemple, ou même si elle arrivait à mieux gérer les choses tout en étant employée. D'accord ? Elle a des idées extraordinaires, elle a plusieurs gros projets qui sont malheureusement uniquement dans sa tête et qu'elle n'arrive pas à mettre en place. Alors, les projets, parfois, elle griffonne 2-3 choses, donc elle les écrit sommairement. La plupart du temps, c'est plutôt dans son esprit. Et quand elle en parle avec moi ou avec d'autres personnes, quand elle est dans des discussions et qu'elle a la possibilité de l'évoquer
elle le fait, elle partage ça et elle a toujours le même retour. Elle a des idées superbes, d'accord ? C'est quelqu'un qui est vraiment impressionnant de par sa capacité à créer, à innover, à imaginer et à créer mentalement, je précise, parce qu'elle ne passe pas à l'action. Et c'est là le problème. Depuis que je la connais, elle m'a parlé d'une dizaine de projets. Il y en a 3 ou 4 qui reviennent constamment et les autres arrivent et repartent, d'accord ? Un peu comme dans un vase, genre de vase communicant ou dans un entonnoir, ça rentre, là, ça sort. Mais il y en a qui restent. Donc, il y a certains projets qui lui tiennent à cœur parce qu'elle en reparle souvent et c'est vrai que ce sont des projets à gros potentiel. Le problème, c'est que, étant donné qu'elle travaille, elle n'a pas beaucoup de temps. Elle n'arrive pas à s'organiser sur le peu de temps qui lui reste pour mettre ce projet-là en branle. Elle a fini par me dire, lorsque j'ai abordé le sujet avec elle il n'y a pas longtemps, parce que je lui ai dit, j'ai l'impression que tu ne te sens pas bien. Depuis un moment, c'est assez flagrant, en tout cas moi, je le remarque. Et tu as l'air un peu perdu. Est-ce que c'est par rapport à tes préoccupations professionnelles ? Elle m'a dit, tiens, écoute, t'es le premier à toucher du doigt cet aspect-là, parce que je ne voulais pas en parler aux gens, mais voilà, parce que quand j'essaye même d'aborder la question, les gens se disent que je vis très bien, que j'ai une bonne situation et que voilà, je n'ai pas à me plaindre de rien du tout. Du coup, ben, je n'en parle pas. Mais toi, apparemment, tu l'as senti. Alors oui, je veux bien m'ouvrir à toi. Elle a commencé à m'expliquer comment est-ce que elle était vraiment déprimée presque de ne pas pouvoir mettre certains projets en place. Parce qu'il y en a certains qui répondent à une vocation profonde qu'elle a. Une vocation professionnelle, mais qu'elle a découverte beaucoup plus tard que à la sortie de l'université. Elle a trouvé du boulot tout de suite, elle est rentrée dans ce canevas-là, ça s'est bien passé, mais elle n'avait pas découvert sa vocation. Donc ça nous amène à évoquer un sujet dont on parle très peu. Vous savez, il y a des gens qui trouvent leur vocation très tard dans la vie. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu abandonnes ce qui est déjà en cours, surtout quand tu as une bonne situation, pour aller tenter l'aventure, parce que c'est un peu comme ça que les gens le perçoivent, et ça peut se comprendre ? Ou est-ce que, bon, tu restes au niveau de la sécurité, tu te dis non, je ne vais pas prendre de risques, etc. avec le poids derrière. Parce qu'elle, en fait, c'est ce qu'elle vit. Elle m'a dit avoir envisagé de quitter son boulot pour se consacrer à ces projets-là qui sont vraiment vocationnels, mais qu'elle n'y arrive pas pour l'instant. Et là où c'est compliqué, c'est qu'elle a du mal à déléguer. Voilà le vrai problème. Déjà, on va prendre la chose de façon méthodique, comme je lui ai dit. J'ai dit, regarde le nombre de projets dont tu parles depuis 3 ans. Il y en a trop. Même si tu arrivais à te concentrer sur un ou deux d'entre eux, ce serait pas mal. Et tu pourrais peut-être envisager un processus progressif pour quitter ton emploi. Si tu n'arrives pas à le faire brutalement, c'est généralement même pas conseillé. Il vaut mieux avoir un plan d'action, d'accord ? Ça peut être sur 2 ans, 5 ans, plus ou moins. Ça dépend de la situation de chacun et de plusieurs paramètres. Mais pour ça, il faut déjà que tu comprennes que même si tu étais désœuvré, même si tu étais au chômage aujourd'hui, tu avais toutes ces idées, tu ne pourrais pas toutes les mettre en branle en même temps. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Ils ont plein d'idées superbes, ils veulent tout faire en même temps, ils commencent, ils passent 3 jours sur un projet, après 2 semaines sur un autre, parfois 3 mois sur un projet, ils le laissent de côté, ils vont attaquer un autre projet. Ce n'est pas quelque chose de productif. Vous devez avoir, comme moi je fais en tout cas, ce que j'appelle la pyramide ascensionnelle, j'en reparlerai dans une vidéo. Vous devez pouvoir catégoriser vos projets et puis les agencer de sorte à pouvoir programmer en fait leur mise en place sur la durée. En vous disant, ok, cette année, je vais me concentrer sur tel projet. L'année prochaine, dans 2 ans, je me consacrerai à ceci ou à cela, etc., etc. C'est la meilleure manière de pouvoir avancer. Et lorsque vous faites ça déjà, vous allez vous rendre compte que dans votre esprit, vous avez fait un peu le ménage. Les choses vont être un peu plus claires. Vous allez pouvoir entrevoir des ports de sortie. Vous allez penser à des objectifs précis. Plutôt que d'avoir des objectifs par projet, ça fait 100 objectifs. Tout est emmêlé dans l'esprit. Ce n'est pas la meilleure manière de faire, quelle que soit votre situation. Même si vous êtes entrepreneur à temps plein, etc. Même dans le cadre d'une entreprise qui a plusieurs projets, vous ne pouvez pas mener tous les projets de front. Sauf si vous avez un énorme staff et que vous avez des team managers à n'en plus finir. Des gestionnaires de projets ou des chefs d'équipe, etc. D'accord ? Donc, il faut faire le tri. Et c'est ce que je lui ai demandé de faire. Elle a donc fait le tri dans un premier temps.
Et elle s'est retrouvée difficilement, hein, parce que là, il a fallu que je tire, elle n'arrivait pas, elle voulait tout garder. Finalement, elle en est arrivée à garder 3 projets. Et sur ces 3 projets-là, eh ben, on a défini sur 5 ans la façon dont elle allait les implémenter. C'est donc un problème que vous pouvez résoudre si vous l'avez assez facilement. Allez, je mets ça en guillemets de facilement, parce que si vous n'êtes pas aidé, c'est difficile. Parfois, on n'arrive pas à trancher objectivement, on est attaché émotionnellement à certains projets, on manque en fait d'objectivité, et quand vous êtes subjectif, vous n'arrivez pas à trancher. C'est pour ça que parfois, vous avez besoin d'aide. Donc, demandez autour de vous, si c'est un proche, un confident ou un mentor, ou si vous avez besoin d'un coach, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description. Et pendant ces séances-là, d'une heure, je peux vous accompagner sur des questions business ou des questions dev perso. Parfois, il y a les deux, assez souvent d'ailleurs, parce que pour moi, il faut que le mindset soit affûté convenablement pour qu'on puisse obtenir des résultats business. Donc, les deux vont de pair. Vous pouvez booker une séance de coaching avec moi et je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous éclairer sur ces questions-là. Bref, on a fini donc par avoir notre plan d'action et ça posait le second problème. Elle n'arrive pas à déléguer. Même dans son travail à la banque ou au cadre, la dame n'arrive pas à déléguer. Et c'est un problème dont elle a conscience. Vous devez comprendre qu'un chef, un leader, un manager doit développer certaines aptitudes au-delà des compétences techniques, parmi lesquelles l'aptitude à déléguer. La délégation, c'est nécessaire, c'est indispensable. Ça vous permet vous-même d'être plus productif. Parce que si vous ne déléguez pas une partie de votre travail, si vous ne vous mettez pas dans des conditions qui vous permettent de vous concentrer sur les choses stratégiques, vous allez être sur les petits détails tout le temps. Alors que vous devez confier certaines tâches, pas celles qui sont les plus sensibles, mais certaines tâches à des collaborateurs. Même des tâches sensibles doivent parfois être confiées à des collaborateurs dans une certaine mesure. Il y a des proportions. Vous pouvez demander, par exemple, c'est comme si vous demandez à quelqu'un de faire le gros œuvre et que vous venez faire la finition après. C'est important, d'accord ? C'est vrai que quand on délègue, parfois il faut passer derrière, etc. Oui, mais ça fait partie du job. Trouver des collaborateurs compétents, faites en sorte de les former à votre façon de travailler et ensuite déléguer une partie de votre travail pour libérer du temps, gagner en qualité de vie et vous consacrer également à d'autres tâches, que ce soit dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de la gestion de plusieurs projets comme nous en parlons actuellement. Ok ? Donc, ça a été une autre bataille que j'ai dû mener pour l'amener à comprendre qu'elle n'avait pas le choix et elle a fini par avouer qu'elle sait qu'au fond d'elle, si elle n'a pas d'assistant ou d'assistante aujourd'hui, elle ne pourra pas avancer sur ses projets parallèles, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de sa sphère professionnelle classique. Les projets de cœur qu'elle a. Parce que le but pour elle, c'est d'ici 5 ans de pouvoir sortir en fait, du carcan dans lequel elle est et de se consacrer à ces projets-là qu'on aurait mis en branle progressivement et qui aurait pris donc, une certaine envergure d'ici 5 ans si tout se déroule convenablement. Voilà comment est-ce que nous avons travaillé et progressivement, elle a pris le pli et finalement, elle va embaucher, c'est pas encore fait, mais elle va embaucher une assistante. Ça a été décidé, elle est prête à le faire, elle va embaucher quelqu'un qui va travailler sur ces projets-là et qui va donc suivre ses instructions et développer les projets pendant qu'elle sera de l'autre côté. C'est important que vous appreniez à faire ça, faire le tri dans les projets, pouvoir les étaler dans le temps, vous faire assister pour avancer plus vite. Parce que sinon, vous courez plusieurs risques. Le premier qui est selon moi le plus dangereux d'ailleurs, c'est un risque émotionnel et lié à la santé mentale. Parce que ça crée beaucoup de frustration, de l'anxiété, du stress lorsqu'on ne parvient pas à faire des choses qui nous tiennent à cœur. Et lorsqu'on accumule cette frustration-là pendant des mois ou des années, ben on détériore sa santé mentale sans s'en rendre compte. Et ça va faire que vous allez peut-être devenir irritable, vous allez être irascible dans le pire des cas. Sinon, dans le meilleur des cas, vous allez sentir un petit malaise à l'intérieur, vous ne vous sentirez pas forcément heureux, vous allez dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi », etc. Donc, il faut trouver le moyen de se mettre dans des dispositions idoines pour pouvoir travailler et performer. Et cette histoire, pour moi, elle est importante parce que je suis sûr qu'elle parle à nombre d'entre vous qui ont du mal à organiser les choses, qui ont du mal à déléguer et qui se mettent parfois en danger pour rien. L'autre risque, qui est également un risque important, mais c'est parce que le premier, celui que j'ai évoqué avant, a trait à la santé, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est le primordial, c'est ce qu'il faut éviter d'abord. Mais le second risque, c'est justement le risque de passer à côté de pépites. Vous avez peut-être des projets qui valent de l'or, mais parce que vous n'arrivez pas à les mettre en route,
parce que vous ne vous organisez pas pour les lancer, parce que vous les traitez un tout petit peu après, vous allez à droite, à gauche, comme une abeille, vous butinez, au lieu de vous concentrer véritablement sur un projet à la fois et d'avancer progressivement, eh bien, à ce moment-là, vous allez passer peut-être à côté d'une opportunité énorme. Peut-être qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a une grosse rentabilité qui vous attend au niveau d'un de ces projets, que vous allez peut-être révolutionner quelque chose ou au moins révolutionner votre vie et vos finances, mais vous passez à côté de ça par manque d'organisation, par peur de délégation et en raison de tous les autres éléments que j'ai évoqués précédemment. Donc voilà l'histoire de cette dame qui est riche mais malheureuse, mais qui va trouver, je l'espère, le bonheur, comme on dit, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Nous travaillons ensemble, moi je ferai ma part, et comme je l'ai dit, je bossais avec elle sur d'autres, d'une tête dans une collaboration différente sur d'autres sujets. Hein. Mais depuis que j'ai parlé de ça avec elle, eh ben, elle a développé un nouvel axe de collaboration parce qu'elle a booké des séances de coaching avec moi pour que je puisse l'accompagner dans ce processus-là sur la durée. Donc voilà, je ne manquerai pas de vous faire des updates au fur et à mesure. J'aime bien les histoires réelles comme ça que je vis avec des gens autour de moi parce que ça reflète ce que beaucoup d'autres personnes vivent. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent lorsqu'on évoque ces cas-là. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, savoir si vous avez du mal à gérer vos projets, si vous avez du mal à vous lancer, si vous avez du mal à organiser les choses, si vous avez du mal à déléguer. Partagez vos expériences avec nous et vos conseils également. Hein. C'est ainsi que la communauté s'enrichit avec l'apport de tout un chacun. Voilà, si vous avez aimé ce contenu, mettez un petit like et abonnez-vous, hein, n'oubliez pas. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.